Bonsoir à tous, Laurent Grelus au micro. Bienvenue à cette soirée de concert en direct de Flagey à Bruxelles ce soir. Vous pouvez nous écouter comme à l'habitude en radio sur Musique 3, mais aussi en streaming vidéo sur notre plateforme ovio.be. C'est ce soir la soirée d'ouverture de la 9e édition déjà, 9e édition du Festival de la Chapelle Musicale Reine-Elisabeth à Waterloo. C'est à cette ouverture de festival que je vous convie ce soir, un festival que les habitués appellent volontiers le Music Chapel Festival. À mes côtés ce soir, en premier invité, c'est Augustin Dumay. Bonsoir Augustin. Très heureux de partager ces instants avec vous. Augustin, je rappelle au distrait, j'allais dire, que vous êtes violoniste, une immense carrière et puis un lien très très fort, un lien très étroit depuis de nombreuses années. Avec 15 ans maintenant. Depuis 15 ans, je vais vous demander de rapprocher un tout petit peu votre micro. Merci Augustin. Depuis 15 ans, donc, vous êtes maître en résidence à la Chapelle musicale Reine-Elisabeth. Alors ce soir, ce sont deux artistes que vous suivez, que vous aidez, que vous guidez, qui seront sur la scène de Flagey. Alors chaque année, l'équipe du festival choisit un thème et cette année, ce sont ces liens qu'on peut qualifier d'indéfectibles entre le répertoire classique et le cinéma. Ce sont ces liens qui sont à l'honneur jusqu'à dimanche soir. Toute la programmation du festival sera basée, Augustin, sur ces œuvres classiques qui ont parfois été rendues, il faut le dire, célèbres par leur utilisation au cinéma. Même avant toute chose, par leur utilisation au cinéma, pour le grand public. Si on pense par exemple au premier secteur de Brahms, oui, qui a été rendu célèbre par ce film merveilleux de Les Amants de Louis, oui, Malle, où Jeanne Moreau jouait et où le thème du deuxième mouvement revenait sans cesse dans ce film. Je pense à des films de Michel Deville par exemple, où à peu près toutes les sonates et les impromptus de Schubert tournaient tout le temps dans ce film. On peut penser naturellement au travail incroyable que Korngold a fait autour du cinéma à Hollywood. Il a eu deux vies, Korngold. Il a eu une vie à Vienne où il était le protégé de Mahler. Et puis une autre vie ensuite à Hollywood où il a illustré un certain nombre des plus grands films de cette époque. Donc le cinéma et la musique, c'est un mariage définitif. Alors Augustin, ce soir, c'est Mozart qui sera mis à l'honneur et dans ses liens avec le cinéma, on a énormément utilisé la musique de Mozart dans de très nombreux films, que ce soit dans le cinéma français ou dans le cinéma américain. Ce soir, ce seront deux concerts où Mozart sera mis à l'honneur avec des œuvres phares de Mozart. Alors le premier concert débutera dans un instant, il s'intitule Mozart and Hollywood No. 1. Et puis à 21h30, Mozart et Hollywood, deuxième partie. L'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie sera notre invité ce soir. Il sera dirigé par deux chefs en alternance. Ils sont tous les deux très très connus du public belge. C'est le pianiste Franck Braley qui vous a succédé, puisqu'on le rappelle, vous avez été aux destinées de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie pendant combien d'années, Augustin? 4-5 ans, plus? Plus que ça, pendant une dizaine d'années. Voilà, excusez-moi, j'étais en train de minimiser cette partie. Donc voilà, et puis Franck Braley, lui, est également destiné maintenant, est directeur musical de cet orchestre depuis quelques années. Et puis ce soir, en alternance, il dirigera avec Paul Meyer, grand clarinettiste français, mais qui depuis quelques années, un petit peu comme Franck et un peu comme vous, Augustin, se consacre beaucoup à la direction d'orchestre. Est-ce que vous avez déjà joué avec Paul Meyer en qualité de directeur musical, de chef d'orchestre? Non, pas en tant que qualité de directeur musical. J'ai joué avec lui en tant que clarinettiste, toujours avec grand plaisir, mais je l'ai vu par exemple souvent diriger le concours Reine-Elisabeth, où il est venu ici, où il a fait un magnifique travail. Ce sont des vieux jeunes compagnons. Et c'est vrai que le concours Reine-Elisabeth qui a lieu dans cette même salle, c'est un sacré défi pour les chefs d'orchestre, puisqu'il faut être équitable avec chaque musiciens, puis essayer de les suivre, parce que les tempi peuvent être un petit peu aléatoires à des concours. Pas seulement les tempi, les conceptions, le caractère, les visions, et il faut chaque fois arriver à ne pas trahir son Mozart, parce qu'un chef qui accompagne un soliste prend des routes qu'il n'a pas choisies, mais il ne peut pas prendre n'importe quelle route. Donc c'est là toute la difficulté, c'est l'adaptation, mais en même temps le respect pour l'œuvre de Mozart, c'est le respect pour... c'est une grande difficulté pour les chefs d'arriver à prendre des routes qu'ils n'ont pas choisies. Quelquefois, ces mariages provisoires se passent très bien, quelquefois c'est un petit peu plus difficile. Il y a des histoires célèbres dans l'histoire de la musique où des chefs et des solistes se sont quittés après un quart d'heure de répétition. Carrément. Des très grands chefs et de très grands solistes. Alors, ces applaudissements saluent l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie qui fait son entrée. 4 concertos de Mozart sont au programme de cette soirée, mais on va commencer avec la jeune violoniste hongroise Yulia Pushker. Elle est votre artiste, votre étudiante, j'allais dire, pour faciliter les choses. Elle va jouer le dernier concerto pour violon de Mozart, le 5e concerto pour violon de Mozart. C'est le Köchel 219. C'est Paul Meyer qui dirigera l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Et puis après cela, Augustin, un concerto pour piano, toujours de Mozart. Et là, c'est Franck Braley qui sera au piano et également à la direction de l'orchestre, de son piano. Et pas Augustin, ça c'est vous. Franck Braley a choisi le 9e concerto pour piano de Mozart, 10 concertos au jeune homme, c'est le Köchel 271. Alors les deux œuvres qu'on va écouter dans ce concert de 19h sont distantes de 2 années seulement. Alors le concerto pour violon numéro 5 qu'on va découvrir, lui était utilisé dans un film assez récent. Pardon, c'est Basic Instinct numéro 2 qui a été réalisé par Michael Caton-Jones, sorti en 2006. Alors les cinéphiles nous signalent que ça a été un échec commercial en dépit de la présence de Sharon Stone et de David Morrissey. Ça c'est pour la petite histoire cinématographique. Et bien le 5e concerto pour violon de Mozart, on le retrouve lui dans Five Easy Pieces de Bob Rafelson. On est là en 1970 avec Jack Nicholson, Augustin, qui avait 33 ans. Vous avez vu ce film? Magnifique, Jack. Non, j'ai pas vu ce film, malheureusement. Un film assez fascinant. Alors, en ce moment, l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie est en train de s'accorder. Alors, pour notre public, Augustin, on est toujours étonné qu'on s'accorde sur scène. On ne peut pas s'accorder en coulisses. Expliquez-nous ça. Non, parce que en coulisses, l'hygrométrie, la température est différente. Les projecteurs ne sont pas là et il faut qu'on s'accorde dans le lieu et dans l'hygrométrie et dans l'atmosphère dans laquelle on va jouer. Nos instruments sont extrêmement sensibles à ces conditions atmosphériques d'humidité, de chaleur. Augustin, on a peut-être encore un instant pour que vous nous parliez de Yulia Pushker. Elle a fait ses classes dans les plus belles écoles avant de vous rencontrer, l'Académie Franz Liszt en Hongrie et puis des études à Londres. Peut-être un mot avant que n'arrive Bernard Delannoy sur cet artiste. Absolument. Que vous suivez. Alors c'est une violoniste très intelligente, bienvenue très sensible. À cette première soirée et on va laisser parler Bernard Delannoy, directeur général de la Chapelle. Merci Augustin Dumay. Op deze openingsavond van het Music Chapel Festival. In deze 9e editie staat het thema Music and Movies centraal. Het is elk jaar een grote eer en plezier om weer gast te kunnen zijn in deze fantastische Studio 4. Tout au long de ces 4 prochains jours, nous vous emmenons au cœur de votre mémoire à émotion et vos souvenirs cinématographiques, avec lors de chaque concert, une ou plusieurs œuvres ayant été composées ou utilisées pour le cinéma. Sans oublier une programmation off, avec beaucoup de beaux films et de belles surprises. Ce soir, vous entendrez un festival de concerti de Mozart, puisqu'autour de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, qui fête cette année son 60e anniversaire, et de son directeur musical et chef d'orchestre Franck Braley, aussi pianiste ce soir dans le concerto Jeune Homme, nous retrouverons le clarinettiste Paul Meyer, lui aussi chef d'orchestre à 16 heures, et soliste ce soir dans le célèbre concerto pour clarinette de Mozart, que l'on retrouve dans le film Out of Africa. Et enfin, 2 jeunes violonistes en résidence à la Chapelle, Jane Cho et Yulia Pushker, qui elle remplace Woo Jung Kim, souffrant, dans 2 concertos pour violon. Permettez-moi de remercier Gilles Ledur et son équipe pour leur accueil à Flagey ces 4 prochains jours. Permettez-moi aussi, sur les ondes, sur le web et dans la salle, de saluer un public fidèle de partenaires, de mécènes, de mélomanes, que je tiens à remercier très chaleureusement pour leur soutien précieux. Merci et très beau festival à toutes et à tous. Ik wens u allen een prachtig festival. Dank u. Voilà, c'était Bernard Delannoy, directeur général de la Chapelle Musicale Reine-Elisabeth, qui s'adressait au public du Studio 4 de Flagey. Tout le monde est assis, l'orchestre, le public, la salle est très bien remplie ce soir. Nous sommes prêts pour écouter le 5e et dernier concerto pour violon en la major, Köchel 219 de Mozart, avec la jeune violoniste hongroise Yulia Pushker. Elle fait son entrée sur la scène du Studio 4. Elle est suivie par Paul Meyer, clarinettiste, mais ici chef d'orchestre. Paul Meyer qui va, je vous le rappelle, diriger l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Nous sommes en direct sur Musique 3 et sur Ovio. Voici le 5e concerto pour violon de Mozart, Köchel 219 de Mozart. Le la est donné. Voilà, 5e concerto pour violon de Mozart, Yulia Pushker, l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Concert d'ouverture du Music Chapel Festival, 9e édition. Passez une bonne soirée avec nous. La violoniste hongroise Yulia Pushker, 27 ans, et l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, conduit par Paul Meyer. Nous écoutions le 55e concerto pour violon à la majeure, Köchel 219 de Mozart. Une œuvre composée alors que Mozart n'a que 19 ans. Yulia Pushker en a 8 de plus. Nous sommes en direct du Studio 4 de Flagey. J'ai le grand plaisir d'avoir toujours un grand violoniste à côté de moi, c'est Augustin Dumay. Ce concerto, Augustin, vous l'avez joué maintes fois alors que Yulia Pushker, et c'est bien mérité, revient sur la scène, très élégante, très svelte. Elle salue avec beaucoup de modestie l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, ainsi que le public venu massivement ici au Studio 4 de Flagey pour ce concert d'ouverture de la 9e édition du Festival de la Chapelle Musicale Reine-Elisabeth, un festival qui met à l'honneur cette année le cinéma et la musique classique. Augustin Dumay, merci d'être resté à nos côtés. Vous avez beaucoup joué Mozart, beaucoup joué ces 5 concertos. Peut-être vos premières impressions, ça doit être émouvant de voir quelqu'un qu'on suit qui interprète devant tout un immense public ces grands concertos. Qu'est-ce qu'on ressent comme maître quand on voit ça? On est beaucoup plus nerveux peut-être que celui qui est sur la scène, et même beaucoup plus nerveux que je ne serais samedi soir quand je devrais jouer. Mais je dois dire que c'est un plaisir d'entendre une violoniste jouer à ce niveau, jouer avec un vrai sens du style, une vraie personnalité, une vraie intelligence du texte. Et je dois dire que ça fait, pour moi, Mozart, c'est toujours un compositeur d'opéra. Il n'y a presque aucune œuvre de Mozart qui ne représente pas la commedia dell'arte, les relations entre les gens dans la société, etc. Vous voulez dire que toute son œuvre est opératique quelque part? Oui, on peut dire que 99% de son œuvre, peut-être dans le Requiem, il y a moins d'opéra, quoique. Il y a un certain nombre de chefs d'orchestre justement qui essayent de faire ressortir non pas la commedia dell'arte, mais tout le côté dramatique que ça peut avoir. Mais en tout cas, je pense que on y est impossible de jouer Mozart sans qu'il y ait des personnages, sans qu'il y ait un dialogue, sans qu'il y ait ce jeu des rapports entre les gens sur la scène et dans la vie. Donc c'est justement ça que j'ai aimé, ce sens de l'humour et un sens de la vie qui apparaissait non-stop. Ça, je pense que c'est très important. Yulia Pushker, qui était très chantante et très chanteuse dans sa manière de déclamer le texte. Aussi, absolument. Mais toujours avec un grand sens du style. Parce que vous avez le plus grand danger, c'est d'amener Mozart vers quelque chose qui peut être romantique ou qui peut être... Trop léger? Non, mais ce que j'appelle le Mozart pour tourer, ça veut dire un Beethoven allégé. Vous y allez fort ce soir, Augustin Dumay. Non, je ne vais pas fort, j'espère que c'est vraiment ce que je pense. Je n'en doute pas. Et ce n'est justement pas le cas de ce que j'ai entendu. Alors, vous l'entendez, on est en train de s'accorder pour le 2e concerto de ce 1er concert. Ce sera le 9e concerto pour piano de Mozart, beaucoup mieux connu par son sous-titre « Concerto jeune homme Köchel 271 ». On est 2 années seulement après ce 5e concerto pour violon qu'on vient d'entendre. Un concerto, Augustin Dumay, qui aurait été dédié à une dame qui portait le nom de jeune homme, et après l'histoire dit qu'elle s'appelait pas tout à fait jeune homme mais jeune amie. On a raconté tellement d'histoires sur Mozart. Peut-être parler de son aspect musical, parce que je crois que c'est un concerto important pour tous les Mozartiens. Vous disiez 2 ans après, mais 2 ans dans la vie de Mozart, c'est comme 25 ans dans la vie de Richard Strauss. Donc déjà là, on apparaît un autre monde, apparaît quelque chose qui est justement beaucoup plus dramatique. Enfin, on va le laisser. Oui, c'est Franck Braley qui fait son entrée. Tout ce qu'on pourrait dire de plus, ça sera beaucoup moins que ce que nous allons entendre maintenant. Merci Augustin Dumay, violoniste. Franck Braley prend place à la direction et au piano pour ce 9e concerto, dit concerto jeune homme de Mozart. Nous sommes en direct de Flagey, en direct sur Musique 3 et sur Ovio, concert d'ouverture de la Chapelle musicale Reine-Elisabeth. Mozart et Franck Braley. Le pianiste Franck Braley à la tête de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. On écoutait le 9e concerto pour piano de Mozart, un concerto en mi bémol majeur, beaucoup mieux connu sous le nom de Concerto Jeune Homme. Franck Braley salue tout le public du Studio 4. Nous sommes en direct de Flagey à Bruxelles pour ce concert d'ouverture du 9e Festival de la Chapelle Musicale Reine-Elisabeth. Et c'est Isabelle Bonnecyr qui est la Concertmeisterin ce soir de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Alors qu'Augustin Dumay va rejoindre ses amis dans la salle, il était à nos côtés pour ce concert. Un concert qui se termine, mais il y a deux concerts ce soir. Je vous en dis un petit peu plus dans un instant, mais c'est Franck Braley, le directeur musical, c'est-à-dire le chef attitré, le chef permanent de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, qui revient sur la scène du Studio 4 et qui demande aux musiciens de se lever à nouveau. Franck Braley, que nous recevrons dans quelques minutes, qui nous livrera ses impressions sur cet incroyable concerto, en tout cas ce qu'il en a fait. Et voilà Franck Braley aussi qui remercie la petite harmonie, deux corps et deux au bois. Sylvain Kremers est au premier au bois. Franck Braley qui remercie, j'allais dire, ses musiciens ou les musiciens, c'est comme vous voudrez, mais on sent qu'il y a une grande complicité entre ce petit ensemble, hein, un orchestre de chambre, c'est-à-dire à peine une petite vingtaine de personnes, et puis ce soliste. Voilà, nous sommes en direct de Flagey. Des applaudissements qui saluent ici le départ de l'orchestre qui va rentrer en coulisses. Alors, c'est la fin de ce premier concert. Ici en direct de Flagey, nous allons accueillir notre premier invité dans quelques instants. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez suivre le deuxième concert qui débutera à 21h30. Ce ne sera plus en direct sur Musique 3, mais ce sera par contre en direct sur ovio.be. Nous pourrons y entendre à nouveau deux concertos de Mozart, un concerto pour violon, le 4e concerto pour violon en ré majeur Köchel 218 avec Yen Jin Cho au violon et toujours Franck Braley qui dirigera l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, et puis le célèbre concerto pour clarinette de Mozart. Ça c'est pour tout à l'heure avec Paul Meyer à la clarinette, mais j'accueille notre premier invité ce soir qui est Bernard Delannoy. Bonsoir Bernard. Bonsoir Laurent. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Chapelle Musicale Reine-Elisabeth. Vous avez entre vos mains ce très beau programme Music and Movies, 9e édition de votre festival annuel. En fait, il y a deux festivals aujourd'hui, hein, oui, dans la saison de la Chapelle Musicale Reine-Elisabeth. Tout à fait, il y en a un, celui-ci qui est maintenant à sa 9e édition, et nous en avons créé un il y a 2 ans qui se déroule au mois de juin et qui est au fond à Waterloo, à la Chapelle et un petit peu autour. Donc on essaie de trouver aussi des lieux adéquat pour organiser une série de concerts et donc de bien s'ancrer aussi dans notre localité. Voilà. Alors vous êtes tellement actif Bernard Delannoy que si on devait parler de l'autre festival, on ne s'en sortirait pas. On va parler de Music and Movies. Je le disais en début de soirée, hein, vous explorez cette année les liens très indéfectibles qui existent entre le cinéma et le répertoire classique. Pas seulement le répertoire classique, mais nous on va se limiter à ça ce soir et dans votre festival qui, je le rappelle, se poursuit jusque dimanche soir ici à Flagey et dans d'autres lieux également, la salle philharmonique à Liège, mais essentiellement ces deux lieux. Bernard Delannoy, comment vous est venue cette idée? Vous êtes cinéphile, bon, chaque année il y a un thème, là ça a dû être compliqué parce qu'il y a tant d'œuvres magnifiques qui ont été utilisées, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais qui ont accompagné en tout cas des grands films. Je pense que l'idée, elle est certainement venue au moment où on a commencé à évoquer certains programmes aussi, notamment avec le Brussels Philharmonic, qui évidemment est un orchestre assez aussi, je dirais, spécialisé dans ce domaine-là, puisqu'il a eu voilà, de nombreux prix, des Oscars pour des musiques de films. Mais dans les discussions avec Stéphane Denève, Stéphane avait très envie qui est le chef d'orchestre, pardon. Il voulait programmer cette pièce que l'on retrouve dans Fantasia de Disney, qui sera donnée en fin de festival, donc le samedi 8 décembre. À 20h15, hein, ici. À 20h15, et qui faisait pour lui partie d'un programme avec autour, bien entendu, des variations symphoniques de Franck, des jeans qu'il a rajoutés, et puis cette œuvre de Ducas, voilà, qui est l'apprenti sorcier, et qui est certainement voilà, une œuvre comment dire, emblématiques de musique de film qui sont bien entendu, comme vous le dites, des musiques classiques. Alors ce soir, évidemment, on est dans un autre, registre, puisque c'est de la musique de Mozart qui a été reprise dans différents films. Il y a 3-4 films ce soir qui font référence aux concertos qui ont été joués, dont bien entendu celui qu'on va entendre dans quelques instants, le concerto pour clarinette dans le film Out of Africa. Mais ce n'est pas que cela. Il y a aussi pendant le festival des œuvres de Herman qui était le compositeur fétiche de Hitchcock. On va entendre des œuvres demain soir, de Psychose, et puis ensuite aussi un quintet à cordes, et puis encore vendredi avec l'orchestre de Liège. Donc voilà, on a finalement construit autour de cette première idée un festival, en tout cas où l'on voulait que dans chaque concert qui y est donné, que ce soit de la musique de chambre ou les concerts avec orchestre, il y ait au minimum une œuvre de musique qui a inspiré des réalisateurs, mais aussi quelquefois un programme un peu plus large. On va avoir notamment, je donne quelques exemples, samedi après-midi à 18h avant le concert final, le trio Zadig qui vient d'enregistrer chez nous et qui a fait faire en fait une partition par Bruno Fontaine, qui est un compositeur actuel mais qui a pas mal travaillé avec Bernstein et qui a fait un arrangement pour trio à clavier des suites de West Side Story que nous avons enregistrées cet été à la Chapelle, avec aussi une œuvre contemporaine d'Ataïr et le trio de Ravel. Donc vous voyez, il y a toujours un lien dans tout ce qui est fait à la Chapelle. Ça n'arrive jamais vraiment je dirais, du hasard. Mais on s'est dit qu'il y avait beaucoup d'éléments dans la programmation qu'on avait envie de monter, qu'on s'est lancé effectivement après dans une recherche systématique pour que chaque programme puisse avoir, bien entendu, une œuvre ou plusieurs qui font référence au cinéma. Le goût de créer du lien, l'art de créer du lien, c'est très important dans tout ce que vous entreprenez, Bernard Delannoy, directeur général ici à la Chapelle. Écoutez, en tout cas, on essaie que pour les jeunes musiciens qui viennent travailler chez nous pendant plusieurs années, qui viennent du monde entier, il y a déjà un énorme brassage qui se fait, de leur donner effectivement aussi un répertoire vaste, large. Je pense aussi qu'il va y avoir quand même quelque chose d'assez extraordinaire cette semaine, c'est qu'on va créer, en tout cas ce sera une première européenne, d'une œuvre de John Williams qui a été créée pour Yo-Yo Ma aux États-Unis, qui l'a interprétée pour la première fois l'été dernier. C'est une jeune violoncelliste qui s'appelle Rhiannon Anthony qui va le donner en première européenne dans 4 jours. C'est quelque chose qu'elle va garder dans sa bio et dans ses archives pour toujours, cette création européenne de cette pièce de John Williams. Donc ce sont évidemment des opportunités formidables. Rhiannon Anthony qu'on va recevoir dans quelques instants. Ah ben voilà, ça tombait bien, à ce micro. C'était le lien, alors, voilà. Alors Bernard Delannoy, avant qu'on prenne congé de vous, parce qu'on a beaucoup d'invités avant de retrouver sur ovio.be le deuxième concert, on va juste citer les références. Donc le concerto Jeune Homme, 9e concerto pour piano qu'on vient d'entendre, eh bien il peut être entendu dans Basic Instinct numéro 2 de Michael Caton-Jones, un film de 2006 qui n'a pas trop bien marché en dépit de la présence de David Morrissey et Sharon Stone. Le premier avait marché. Le premier avait marché, voilà. Et puis juste avant ce concerto pour piano de Mozart relié à Basic Instinct, un film beaucoup moins connu mais magnifique que j'ai eu la chance de voir récemment, c'est Five Easy Pieces. On est en 1970 avec un Jack Nicholson. Tout jeune. Époustouflant. Et époustouflant, tout à fait. C'est un film qu'on vous recommande, donc ça s'appelle 5 pièces faciles, Five Easy Pieces, de Bob Rafelson. Et puis alors le concert de 21h30, également deux liens avec Mozart, puisque cette soirée d'ouverture, c'est exclusivement Mozart qui est mis à l'honneur. Donc à 21h30, début de soirée, le 4e concerto pour violon de Mozart, après avoir entendu le 5e tout à l'heure, Yen Jin Cho au violon, Franck Braley à la direction, et puis là on est dans l'univers de Brian De Palma. Voilà. Donc ce sont vraiment des très grands réalisateurs qui se sont inspirés aussi, qui ont utilisé voilà, Mozart dans leurs œuvres, parce que quand on parle de Sidney Pollack, de Brian De Palma et de tant d'autres dans ce festival, c'est Hitchcock bien entendu, c'est sûr que la musique fait partie d'un film, elle est une partie du langage d'un film. Et donc voilà, alors après il faut aussi pouvoir l'écouter en se remémorant, parce qu'on n'est pas là pendant ce festival pour montrer les images avec ces musiques, mais plutôt pour les évoquer et les avoir dans ses souvenirs. Bernard Delannoy, on va faire un petit exercice. Je vais vous demander de présenter notre prochaine invitée, alors, qui est une demoiselle et qu'on ne voit pas à l'image pour ceux qui nous suivent en vidéo. Alors peut-être. Donc Rhiannon Anthony est une jeune violoncelliste. Voilà, on va lui donner. Américaine, qui est arrivée. Micro numéro 3. Oui. Voilà. Elle va prendre ma place. Voilà. Bernard Delannoy, voilà, vous continuez ce petit exercice ici, une petite chorégraphie avec les micros et avec les casques. Mais on va continuer avec vous, Rhiannon Anthony. Je pense que vous parlez exclusivement anglais. You just speak English? Please put your headphones and microphone. Bernard Delannoy, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, Laurent. Alors on poursuit avec vous, Rhiannon Anthony. Alors vous êtes une violoncelliste. You're a cello player. I think you studied in the greatest school in the world. Could you name a few schools you studied before being in Music Chapel? Before coming here, I was actually in the Northwestern University, studying with my teacher Hans-Jürgen Jensen from Denmark. And before that, I was at the Robert McDuffie Center for Strings, so both schools were in the United States. Voilà, des grandes écoles aux États-Unis, donc dont la Benin School of Music, Northwestern University. Which part of United States is this university? It's near Chicago. Voilà, tout près de Chicago, on est au beau milieu des États-Unis. Alors, vous êtes d'origine japonaise. You're from Japanese origin. Actually, no, nothing to do with that. Yeah, my parents just met in Japan, so I was born and raised there. Et puis, je pense que vous avez très jeune regagné les États-Unis. Very young, you came to the States, yes, Rhiannon. I was about 10 or 12, and I moved to Hawaii after from Japan. Alors, Rhiannon Anthony, il faut dire que votre lien avec la Belgique, c'est que vous étudiez à la Chapelle Musicale Reine-Elisabeth avec Gary Hoffman. Je pense depuis peu de temps, you study now with Gary Hoffman, don't you? Yes. What's the relationship with this teacher after having met so many teachers? Don't you sometimes get lost after so many advices from so different people? Est-ce que vous n'êtes pas parfois un petit peu troublé par tant de conseils de tant de maîtres très différents? Yes, I mean, it's actually been amazing to have so many different types of teachers that have different ways of thinking. So I was able to benefit different things from each teacher. And for example, my last teacher actually only taught without playing the cello at all. So now being with a teacher that, performs regularly is a huge difference, but is amazing to also have someone who is having the experience himself to perform regularly. Alors Rhiannon Anthony qui nous dit qu'elle n'est pas du tout perturbée, elle voit ça comme une chance, le fait de pouvoir avoir des conseils de différents maîtres. Et elle nous dit aussi qu'avec certains de ses maîtres, elle n'a pas joué une note de violoncelle. Ce sont juste des conversations, des discussions sur l'interprétation. To finish this conversation, Rhiannon Anthony, I would like you to speak about the concert you will give on Sunday the 9th of December at 8:15, le concert que vous donnerez dimanche ici à Flagey avec le Brussels Philharmonic dirigé par Stéphane Denève. Vous allez jouer avec d'autres étudiants de la chapelle et puis des maîtres, des professeurs de la chapelle. What will you play on Sunday, Rhiannon? It's actually the Saturday, the 8th of December. I'm so sorry. Donc, excusez-moi, on parle de samedi 8 décembre. Please go ahead. And I will be premiering a piece by the world famous film composer John Williams, who is the composer of Star Wars, Harry Potter, and Indiana Jones, and all the famous movies. And he composed this piece this summer, actually, for the Tanglewood Festival. And the piece is called Highwood's Ghost. It's about a ghost that is lurking around a really old manor that is on in the Tanglewood campus. And it's... with the solo cellos and solo harp with orchestra, so it's going to be very exciting. Alors vous jouerez ce sera une première européenne de John Williams, donc grand compositeur qui a fait les musiques d'Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones. avec le Brussels Philharmonic et également une autre soliste qui est Hélène Grolot qui sera à la harpe. Et il s'agit de fantômes qui vont errer un petit peu partout dans le Studio 4. Donc vous serez en concert samedi soir, samedi 8 décembre à 20h15 ici au Studio 4 de Flagey. Rhiannon Anthony, violoncelliste, thank you so much, merci beaucoup. Thank you. Voilà, alors on va pouvoir accueillir notre autre invité, si toutefois les autres invités sont déjà présents. Alors je ne sais pas, là c'est le direct dans toute sa splendeur. Voilà, on va accueillir Jonathan Fournel dans quelques instants, qui va prendre place alors que Rhiannon Anthony va lui donner son micro. Voilà, je ne pense pas que vous ayez besoin d'un casque. Bonsoir, Jonathan Fournel. Bonsoir. Alors, Jonathan Fournel, vous parlez notre langue après ce petit exercice bilingue avec Rhiannon Anthony. Vous êtes artiste en résidence chez Louis Lortie depuis 2016. C'est dire que vous êtes un pianiste, hein, pour Exactement. Ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Alors, je pense que vous, avant d'être à la Chapelle, comme tous vos camarades, vous avez un sacré passé déjà. Vous avez fréquenté les plus grandes écoles, hein. Bien, c'est vrai qu'avant j'ai été pendant 4 ans dans une école en Allemagne, dans une Hochschule, à la Hochschule de Saarbrück, jusqu'à 15 ans. Et après, à 15 ans, j'ai déménagé à Paris. Et je suis resté à Paris pendant 7 ans. J'ai eu mon diplôme d'artiste-interprète là-bas en 2016. Alors, il faut le dire, on parle du grand Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Oui, voilà, le Conservatoire National, oui. Et on sait que rien que le fait d'intégrer une école pareille, ça... Je crois que c'est le pire concours d'entrée de ma vie, oui. C'est-à-dire c'était tellement stressant parce qu'on se disait c'est un peu l'école où on doit passer, en tout cas en tant que Français, on se dit voilà, on doit y arriver, il faut le faire. Et puis mais le concours d'entrée était... Il y avait des œuvres imposées, il y avait plusieurs épreuves, enfin, c'était assez long, assez éprouvant, puis surtout quand on a 15 ans, 16 ans... C'était votre cas, vous aviez seulement 15 ans? Quand je l'ai tenté, oui, j'avais 15 ans, oui. Et aujourd'hui, vous avez... Maintenant, j'ai 25. 25 ans. Alors maintenant, vous étudiez avec Louis Lortie à la Chapelle Musicale Reine-Elisabeth, qui est le maître de piano, qui a succédé à Maria-Joa Pirèche. C'est sa personnalité, cet homme-là, qui vous a donné envie de venir à la Chapelle, ou bien vous étiez prêt à travailler avec... n'importe quelle star, parce qu'il n'y a que des stars à la Chapelle. Non, enfin, c'était pas uniquement pour l'école, mais c'était pas non plus uniquement pour Louis Lortie. C'est-à-dire que j'ai su qu'il avait été nommé en tant que professeur, en tant que professeur principal, maître en résidence à la Chapelle. Et j'avais déjà eu l'occasion de le côtoyer un peu avant. Et j'avais beaucoup aimé sa personnalité, la personne qu'il était. Et en fait, je me suis dit, oui, mais en fait, j'aimerais... Pourquoi pas, je vais tenter, c'est pas trop loin de Paris en plus, pourquoi pas. J'aimerais tenter de rentrer dans cette école qui en plus faisait tout ce dont je pouvais attendre d'une école après le CNSM de Paris. C'est-à-dire une offre qui ouvre des portes, des perspectives de concert vers le monde professionnel, qui nous aide à nous préparer aussi pour les concours. On nous propose offrant des concerts, des possibilités de masterclass avec des grands artistes tels que Anderszewski, Piotr Anderszewski qui était venu cette année, et puis bien d'autres. Et puis on a quand même la chance, il n'y a pas que Louis Lortie encore en plus à la Chapelle. Il y a son assistant qui est aussi extraordinaire, à vos oui. Et donc les deux ensemble, ça fait un peu une équipe de choc et puis avec ça on est bien entraîné. Alors Jonathan Fournel, vous l'évoquiez, hein, ce qui est incroyable à la Chapelle, c'est ce compagnonnage, hein, cette possibilité de jouer sur scène avec ses professeurs, avec ses maîtres. Oui. Ce sera votre cas samedi soir. Rhiannon Anthony nous parlait, elle, de la création de John Williams qu'il fera. Et vous jouerez à ce même concert, c'est vous qui ouvrirait ce concert avec le Brussels Philharmonic dirigé par Stéphane Denève, son directeur musical. Et vous, Jonathan Fournel, vous jouerez la musique de César Franck. Alors là, ce n'est peut-être pas une référence au cinéma que vous jouerez. Qu'est-ce que vous jouerez? C'est pas tout à fait une référence au cinéma, mais c'est ça peut être presque une référence au théâtre dans la façon dont est écrit l'œuvre. Les Jeans, cette œuvre a été écrite pour Louis Diemer, je crois, mais sur le poème de Victor Hugo. Les Jeans. Et alors j'ai lu le poème et j'ai regardé un peu comment c'était écrit et j'ai essayé de comparer en fait un peu avec l'œuvre avec l'œuvre musicale de Franck. Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment écrit presque de la même manière. Le poème commence par deux mots, en fait, et ça fait une espèce de grand crescendo jusqu'au milieu, et en fait, après, ça revient comme un grand diminuendo. Et c'est totalement l'œuvre, en fait, de César Franck, c'est exactement ce qu'il a voulu faire. Donc, c'est un peu une musique à programme. La musique à programme, on va dire, c'est un peu l'ancêtre de la musique de film. La musique de scène, hein, on va dire, musique à programme, ouais. Donc, finalement, on est peut-être éloigné, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Jonathan Fournel, je vous remercie beaucoup. Donc, vous serez à entendre en ouverture de concert samedi soir, 8 décembre à 20h15 ici au Studio 4. Merci beaucoup. Avec le somptueux Brussels Philharmonic dirigé par Stéphane Denève. Vous jouerez les Jeans de César Franck. Je rappelle que vous appelez Jonathan Fournel. Et on va accueillir tout de suite Yulia Pushker. Vous vous connaissez bien. On se connaît tous. Vous vous connaissez tous. Voilà. On se connaît plus ou moins tous. Tous ceux qui restent à la chapelle, on les connaît. Et bien, ça, c'est magnifique. Jonathan Fournel, cas, merci beaucoup. Passez une excellente suite de soirée et on va accueillir Yulia Pushker qui va s'asseoir à nos côtés. Voilà, dans quelques instants, elle sera avec nous. Yulia Pushker, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous demander de vous rapprocher de votre micro. Vous avez le micro numéro 3 entre vos mains. I think we better speak English together. That would be better. Yulia Pushker, vous êtes hongroise, vous avez 27 ans, you're 27 years old. And you studied in Hungary and London before being in Belgium. Vous avez étudié en Hongrie et à Londres avant d'arriver à la Chapelle Musicale Reine-Elisabeth. On a une image extrêmement prestigieuse, nous, de la Hongrie, son excellence musicale et surtout cette académie, Franz Liszt, with a wonderful prejudice about Franz Liszt Academy. Could you say just a few words about this wonderful prestigious school? What would you say so positive about this school? Well, I was lucky enough to be studying there since I was 14, and up until I was 20, I was in that beautiful institution. 14 à 20 ans, vous avez étudié là-bas. And they have a special class for kids who are younger than they would be normally to be admitted to the bachelor programs. So I was there, and even just when you walk into the building, you feel like you're walking into an incredible tradition, which is still present there, and of course wonderful teachers, you know, Leo Weiner and Edda Turecki, just to name Kapul, and then Bartok, Béla Bartok, Zoltán Kodály. These figures were all there, and when you just walk through the door, you feel you ought to follow in their footsteps, and just to have this dedication to what you do with music. Yulia qui nous dit que rien que le fait d'arpenter les couloirs, on se sent sur les traces de ces grands maîtres, Zoltán Kodály, Béla Bartók, Leo Weiner, tous ces grands compositeurs qui ont fait l'histoire et qui ont été soit professeurs, soit étudiants dans cette académie Franz Liszt. Alors, vous êtes aujourd'hui artiste en résidence auprès d'Augustin Dumay à la Chapelle Musicale Reine-Elisabeth. J'aimerais qu'on parle de ce qu'on a entendu ce soir, ce 5e concerto pour violon de Mozart. J'ai eu la sensation que plus les minutes passaient, plus vous étiez complètement investi, complètement avec la musique de Mozart. I had the feeling that the more the time was going in this concerto, the more you were really Mozart playing, really committed and involved in this piece. I love the poetry you developed. J'ai adoré la poésie que vous avez développée et la manière dont vous vous êtes approprié cette œuvre. How did you feel? Comment vous êtes senti? Well, it's always, for me, it's always difficult. You walk on stage and you somehow need some time to develop a connection with the audience, with the players. Of course, you met during the rehearsal, but this is a completely new situation and you have to adapt to what's happening around you. So it can happen that you need a couple of minutes to really ease into it. And then I felt that the longer the time went past, and I felt forgetting about being nervous or where you are or what is happening, and just really thinking about the music, and that overtook many of my emotional sides. So it was a memorable concert. Alors, elle vient de nous dire que c'était vraiment quelque chose qu'elle n'oubliera pas, un moment mémorable, mais par rapport aux compliments que je lui faisais, elle disait, bien, écoutez, au début, il m'a fallu un peu de temps pour créer cette connexion avec le public, et puis on s'apprivoise et on commence à être un petit peu plus dans la musique, avec la musique et avec les personnes. Yulia Pushker, j'aimerais vous remercier beaucoup. Thank you very much for being with us and congratulations for sharing such a nice music with such a heart from you. Thank you. Merci Yulia Pushker. Alors on va pouvoir accueillir notre invité suivant, s'il est là, ben, peut-être que l'invité suivant n'est pas encore là. Mais oui, c'est Franck Braley. Franck Braley qui va venir ici à nos côtés, toujours avec ce micro numéro 3. Voilà, Franck, c'est le vrai direct. Bonsoir Franck Braley. Bonsoir à vous. Alors, on vient de vous entendre dans le 9e concerto Jeune Homme de Mozart, où il y a peut-être un petit faux contact dans le casque. Alors Franck, si vous nous entendez bien, vous n'êtes pas obligé de porter le casque. Alors on va vous demander de vous asseoir juste là pour ceux qui nous suivent sur Ovio. Et voilà, c'est le direct. Franck Braley, j'aimerais qu'on parle de cette œuvre assez incroyable que vous venez de jouer, Concerto Jeune Homme, 9e concerto de Mozart sur un cycle de 27. On est 2 ans après le 5e concerto pour violon qu'on a entendu et on a l'impression qu'on est déjà dans une toute autre dimension. Vous étiez en constant dialogue parce que vous le vouliez, mais aussi parce que la musique de Mozart semble être un incroyable dialogue. Comment on parle de ça? C'est un concerto très, très particulier parce que si on parle des concertos de piano, vous l'avez dit, on en a 27, on joue très peu les 8 premiers, même 9e, 10e, 11e, on commence à jouer les concertos à partir de 13e, 14e, et c'est vraiment autour du 20e qu'on a les grands concertos. Et c'est un peu un météore, ce concerto, parce que Mozart a à peine 20 ans, il écrit une pièce d'une ampleur, d'une ambition, d'une profondeur avec ce mouvement lent, qui est tout à fait sidérante pour un jeune homme en fait. Alors je dis jeune homme parce qu'il est dédié à Mademoiselle Jeune Homme, mais pour Mozart qui a à peine 20 ans. Et ça me fait penser aux premières œuvres de Beethoven, par exemple les premières sonates de Beethoven, où déjà avec l'opus 2 numéro 3, on a une sonate qui fait 35 minutes avec un mouvement lent en do mineur comme celui-ci, qui pourrait être écrit par un compositeur qui a 40 ans. C'est complètement prophétique. Alors le dernier concerto de Mozart, on est 14 ans plus tard, vous voyez une énorme différence ou bien vraiment il ouvre une porte? Certains musicologues disent que vraiment c'est un moment charnière dans l'œuvre de Mozart et même dans l'histoire de la musique, cette manière d'écrire entre le soliste et l'orchestre. Complètement, parce que là l'orchestre a une part très importante. C'est pour ça que je pense à Beethoven, parce que pour moi il préfigure quasiment les concertos de Beethoven. Et vous savez de quoi vous parlez, vous aviez 23 ans, hein, je pense, quand vous avez 22 ans, quand vous avez je ne faisais que le jouer, voilà. C'était le quatrième. Et puis déjà avec cette ouverture très très originale où l'orchestre joue 2 mesures, fait un peu peur au soliste qui répond par 2 petites phrases comme ça, 2 inserts, et puis l'ouverture d'orchestre qui arrive après, ça aussi c'est très 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 novateur. D'ailleurs Beethoven dans le 4e reprendra un peu cette idée avec une phrase de piano puis ensuite l'ouverture. Non, pour moi il est vraiment prémonitoire, il annonce les très grands concertos. Alors voilà, c'est qu'il y a les grands compositeurs sont aussi des visionnaires de toute façon, hein, ce sont des prophètes, ce sont des visionnaires, et c'est comme s'il avait déjà entrevu ces très grandes œuvres, voilà, à peine 20 ans, c'est assez miraculeux. Alors, dernière question avant de prendre congé de nos auditeurs. Franck, quelle relation vous entretenez avec le cinéma dans votre vie? Ça vous accompagne, les films, les grands films et puis les bandes-sons, puisqu'il s'agit un peu de ça, la relation entre les bandes originales et les récits des réalisateurs, les scénarios? Alors, personnellement, j'ai un lien plus fort avec les livres qu'avec les films. Mais ce que je trouve vraiment fantastique avec le cinéma, et justement la musique au cinéma, c'est qu'elle permet de toucher un public extrêmement large. En fait, la musique classique, beaucoup de gens pensent qu'ils ne connaissent pas la musique classique, qu'ils n'en ont pas entendu, ou ils pensent que c'est pas pour eux. Et puis en fait, ils vont dire « Ah oui, mais j'adore la musique de tel film, ah mais j'adore la musique de telle pub ». Et on leur dit « Mais oui, mais ça c'est du Mozart, mais ça c'est du Beethoven, mais ça c'est du Rachmaninoff, mais ça c'est du Ravel ou de Debussy ». Et en fait, c'est une manière de faire passer la grande musique qui a été énormément utilisée au cinéma, et c'est pas pour rien. Et si on écoute les grands compositeurs de musique de film actuels, on retrouve les influences de tous ces grands compositeurs, que ça soit Debussy, Ravel, Stravinsky, Bartók ou Rachmaninoff. Donc c'est un moyen privilégié de faire connaître, de faire aimer la musique sans que les gens même s'en rendent compte. le cinéma. Franck Braley, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes pianiste, ça tout le monde le sait, mais également directeur musical de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Ça devient une partie très importante, je pense, dans votre vie, ce métier de chef d'orchestre et surtout de guider tout un groupe. Ça fait un lustre, exactement, 5 ans. Voilà. Et c'est effectivement un chapitre très important dans ma vie. Alors que je ne le vois pas vraiment comme l'activité de chef d'orchestre. Pour moi, c'est une extrapolation de mon activité de musicien de chambre. J'ai beaucoup fait de musique de chambre. Alors quand on est 4, 5, 6, là on est 15. Mais c'est vraiment dans la continuité. C'est un peu entre les deux. Voilà, ça a été un grand cadeau dans ma vie de pouvoir vivre cette expérience. Je suis là encore pendant 1 an et puis je passerai le témoin ou la baguette à mon successeur début 2020. Qui n'est pas encore connu, c'est encore un secret. Ah non, mais qui n'est pas connu simplement parce qu'il n'est pas... Il y a beaucoup de candidats, il sera désigné l'été prochain, c'est aussi pour ça que je reste 1 an de plus pour que cette transition soit la plus harmonieuse possible. Alors Franck Braley, je vous salue et ce qui est chouette avec vous, c'est qu'on sait que vous êtes tout le temps en Belgique et donc on va se revoir très prochainement. Vous avez déjà une prochaine date de concert, à part évidemment les concerts de ce festival où on peut vous revoir, vous réentendre? Absolument, j'invite tout le monde à venir nous entendre et faire la fête avec nous le 19 décembre aux Beaux-Arts, parce que ce sera un grand concert anniversaire. L'ORCV fête ses 60 ans. Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Concert en direct sur Musique 3. Voilà, ce sera aux Beaux-Arts le mercredi 19, le 20 à Mons, et tous les directeurs musicaux, les anciens directeurs musicaux qui sont encore en activité seront sur scène. Donc ce sera un concert tout à fait exceptionnel avec Jean-Paul Dessy qui a écrit un concerto de piano qui sera créé ce soir-là, avec Jean-Pierre Vallès qui viendra diriger l'orchestre, Augustin Dumay qui jouera du violon. Enfin pour nous c'est une grande fête de la musique, c'est une fête de l'orchestre et j'invite vraiment tous les amateurs de musique et tous les amis de l'orchestre à venir nous rejoindre ce soir-là. Et pour ceux qui ne peuvent pas nous rejoindre, eh bien, ce sera à écouter en direct sur Musique 3, une soirée présentée par Brigitte Mao. Franck Braley, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Bonne fin de soirée. À très bientôt. Voilà, il est temps pour nous de prendre congé des auditeurs de Musique 3 ainsi que des auditeurs d'Ovio, ovio.be, notre plateforme pour tous les contenus audio et vidéo à l'RTBF. Alors, si vous souhaitez entendre le prochain concert qui débutera à 21h30, 4e concerto pour violon de Mozart et puis le concerto pour clarinette, toujours de Mozart, eh bien, ce sera sur ovio.be. Je vous invite à vous connecter, peut-être via la page d'accueil de notre site musique3.be. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis sur Musique 3 et sur Ovio. Et je vous dis déjà au revoir et excellente suite de soirée à vous. Pour la suite de cette soirée de concert sur Musique 3, je vous propose de rester dans l'univers de la Chapelle Musicale Reine-Elisabeth pour écouter un concert qui a été enregistré par Musique 3. C'était à la Chapelle Musicale Reine-Elisabeth, à l'aile de l'Aunois.